une autoroute déserte des USA d'horribles poupées de chair et de sang. Bienvenue à Silent Hill. Silent Hill, qui reste un jeu à part, témoin d'une évolution logique et mature du jeu vidéo. Une vision d'artiste, un trip hallucinant, dont on ne ressort pas indemne. Plongeons ensemble dans cette suite on ne peut plus attendue. Dans Silent Hill 2, le héros du jeu n'est autre que la ville de Silent Hill elle-même. Toujours aussi glauque et embrumée, les équipes de Konami ont réussi à insuffler une âme à ce petit bled paumé, à la manière d'un Carpenter pour son film Fug. Les joueurs ayant eu la persévérance de finir le premier épisode reconnaîtront certains lieux sans aucun problème. Mais comme vous allez le constater, Silent Hill recèle encore beaucoup de mystères. Je n'ai pas voulu vous effrayer. Je suis un peu perdu. Un beau matin, James Sunderland reçoit une lettre de sa femme lui demandant de la rejoindre à Silent Hill. Il s'agit de la ville où ils se sont aimés, au début de leur idylle, bien avant sa mort. Et oui, c'est ça le problème, Madame Sunderland est bien morte. Mais James a reçu cette lettre qui l'intrigue à un point tel qu'il ne peut s'empêcher d'aller à Silent Hill. Le cauchemar ne fait alors que commencer. Une fois le paddle en main, peu de surprises. La maniabilité est idéale, version améliorée du premier opus. On se balade avec facilité dans les ruelles sombres malgré le brouillard omniprésent, un brouillard d'ailleurs extrêmement bien fait. On l'a déjà dit, mais il est vrai qu'une fois plongé dans les ténèbres, cette brume vous envahit, bouge comme un être vivant et dissimule les créatures environnantes d'une manière plus qu'efficace. Parlons d'ailleurs de ces créatures, pas très dangereuses mais designées avec soin. Leur aspect est bien repoussant avec des reflets visqueux et des membres atrophiés. Bref, une horreur. Vous ne serez armé au début que d'un vulgaire bout de bois et il faudra plusieurs coups violents pour en venir à bout. Mais comme c'était le cas dans le premier Silent Hill, il est toujours possible de les esquiver sans problème, ce qui est moins évident dans les couloirs étroits des bâtiments. Pour repérer plutôt les ennemis, vous aurez encore une radio qui grésillera à leur approche. Déjà pas très dangereux à l'origine, les monstres en deviennent presque anecdotiques, mis à part le plaisir d'en découvrir de nouveaux et bien sûr, les boss, plus abominables les uns que les autres. C'est dans ces cas-là que les combats se révèlent intéressants, sinon c'est un jeu un peu routinier, au bout d'une heure, malgré ce malaise caractéristique engendré à chaque coup porté. Les munitions ne manquent jamais, les potions de soins non plus, ce qui facilite grandement la tâche. Du coup, les plus accros des joueurs devraient plutôt se tourner vers le mode difficile. D'autres bonnes idées rendent le jeu plus simple, comme le fait que James regarde dans la direction des objets présents autour de lui. Pas besoin de faire le tour de la ville en tapotant frénétiquement sur le bouton croix, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, les cartes ont été dessinées avec soin et les endroits déjà visités y sont clairement indiqués. Au final, la progression est très fluide et vous ne serez bloqué qu'à de rares moments, généralement lors de puzzles bien tendus. Ces derniers, les puzzles, seront toujours à base de clés et de portes, ou encore des mécanismes qui demandent des codes et des mots de passe assez surréalistes. Ça ne fait que mettre en valeur certaines incohérences, comme le fait de pouvoir fracasser un mur au bout d'un puits, alors que le personnage est incapable d'ouvrir une porte verrouillée, même armée d'une barre de fer. Allez, après tout, ce n'est qu'un jeu. Pour l'ambiance, en tout cas, vous allez être servi. La réalisation du soft est remarquable, avec un travail exemplaire sur les textures des décors et sur le grain de l'image. Voilà un terme que nous employons au cinéma, mais là, il y a une image très particulière qui fait que Silent Hill 2 ne ressemble à aucun autre jeu, et c'est ce qui fait sa force. Les mouvements de caméra audacieux ont en revanche été revus à la baisse, dommage. Et dans l'ensemble, allez, osons le reconnaître, le joueur est moins surpris que lors de sa première visite à Silent Hill sur PS1. Les mécaniques du jeu sont maintenant connues et reconnues, et la seule chose qui rend cette œuvre originale et incontournable est justement l'approfondissement de cet univers si particulier. Les frissons ressentis la première fois se font moins nombreux, ce que l'on imputera forcément au manque de scènes se déroulant dans cette fameuse dimension parallèle, encore plus glauque et morbide que d'habitude. Heureusement que la bande-son est toujours aussi terrifiante. Allez, ce test au ton gravissime ne doit en aucun cas vous plomber le moral, c'est juste qu'il est de bon ton de citer les défauts d'un jeu avant de l'encenser. Mais vous l'avez compris, malgré ces quelques défauts, Silent Hill 2 fait désormais partie de nos jeux préférés, et il risque de le rester encore de longues années. Le marché du jeu vidéo prend une telle ampleur mercantile qu'il est toujours agréable de tomber sur une œuvre tellement hors du commun. Alors même si on sent bien que les développeurs ne se sont pas assez lâchés, jouer à Silent Hill 2 reste au finish une expérience unique que l'on ne cessera jamais de vous conseiller. I'm here for you, James.